Lorsque vous sortirez de la clinique, deux possibilités s'offrent à vous. Rentrer à votre domicile ou séjourner dans un centre de soins de suite et de réadaptation. Dans le cas d'un retour à domicile, vous pourrez bénéficier de l'hospitalisation à domicile ou du programme de retour à domicile proposé par la Sécurité sociale. Pour les prothèses de genoux, des séances de kiné ainsi que des soins infirmiers vous seront prescrits. Le mode de sortie dans un centre de soins doit impérativement faire l'objet d'une prescription médicale. Pour le retour à domicile, favorisez le véhicule personnel. Vous pouvez toutefois rentrer en ambulance, laquelle vous sera prescrite en cas de nécessité. Vous venez de bénéficier d'une intervention délicate qui nécessite des soins minutieux et des précautions après votre retour à domicile. C'est pourquoi nous vous recommandons d'appliquer les mesures suivantes pendant les 3 semaines qui suivent l'intervention. Évitez de toucher le pansement en place, ne pas toucher la cicatrice, veillez à une hygiène quotidienne rigoureuse, se laver les mains ou appliquer de la solution hydroalcoolique après être allé aux toilettes et après chaque repas, changer de vêtements régulièrement, ne pas entreprendre de travaux salissants, jardinage, mécanique, maçonnerie, démolition, ne pas s'adonner à des activités à risque infectieux potentiel, type élevage d'animaux. Afin de sécuriser la transition entre la clinique, environnement très protecteur et votre domicile, nous vous conseillons de reprendre contact rapidement avec votre médecin généraliste. Attention, en cas d'apparition de rougeur, de gonflement, de douleur, d'écoulement au niveau de la plaie, contactez sans tarder votre chirurgien qui vous indiquera la conduite à tenir. Les conseils à suivre suite à votre intervention sont à votre disposition dans la chambre. N'hésitez pas à demander des informations complémentaires aux équipes soignantes. Vous pouvez faire appel également à la responsable des soins. La Clinique Arago vous souhaite un excellent séjour et une bonne convalescence.